Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je refais une vidéo. C'est vrai que ça fait plaisir quand je lis certains commentaires, comme quoi je vous manque et tout. C'est vrai que ça me touche beaucoup. Et puis voilà, donc je crois qu'il y a une dame qui voulait un rituel pour vendre une maison rapidement. Malheureusement, j'ai pas de baguette magique, je ne connais pas tout à ce niveau-là. Voilà, donc il faut peut-être faire des recherches un petit peu partout et vous allez certainement trouver. Ensuite, en ce qui concerne mon nouveau projet, mais je suis vraiment désolée, ça fait 2 mois que je l'ai terminé, 2 mois que j'ai terminé ce nouveau projet, mais le problème, c'est la production. J'ai dû chercher, au début ça allait, après ça allait plus. Et puis là, j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui est en train de me faire ce nouveau projet. J'ai dû rectifier pas mal de choses quand même dans ce nouveau projet que je garde toujours secret, que vous saurez le jour où je l'aurai entre les mains. Et comme je dis, je ne révèle plus mes projets à l'avance. Donc je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et surtout, comme j'ai dit, il va vous permettre de vous simplifier un peu la vie. Ou peut-être que vous allez trouver ça compliqué, mais je vous assure que ça va vraiment vous simplifier la vie. Voilà, donc j'en dirai pas plus par rapport à ce nouveau projet qui actuellement est en production. Après, le temps que ça arrive, le temps que ce soit en vente sur Amazon et par le biais de mon site, bien sûr. Par le biais de mon site, c'est toujours que pour la Suisse. Parce que expédier à l'étranger, c'est juste pas possible. C'est énormément cher. Un suivi de colis, c'est 18 francs, ce qui fait à peu près 19 euros avec un suivi de colis. Donc les gens vont pas payer un prix pareil pour avoir le colis, enfin la marchandise. C'est hyper cher, ça, c'est inabordable. La poste suisse, c'est catastrophe. Donc c'est pour ça que je fais que pour la Suisse les expéditions. Je ne fais pas à l'étranger. Pour cette raison-là, parce que c'est beaucoup trop cher. Parce que si je pouvais le faire, si c'était pas aussi cher, j'aurais été sur Etsy, j'aurais eu peut-être plus de points de vente. Mais là, c'est Amazon et mon site. Malheureusement, j'ai pas plus de points de vente, surtout quand on est en auto-édition. Alors, pour le premier livre, comme j'ai dit, Le Petit Lenormand, Révélation et Association par Elvira. Celui-là, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, il était repris par l'éditeur. Il est tout remis à neuf et il est complet. Voilà, donc un petit peu de patience. Là aussi, c'est en cours. Et là également, vous le trouverez un petit peu partout. Et pour la Suisse, vous pouvez le commander auprès de moi. Parce que quand j'expédie les courriers en Suisse, c'est beaucoup moins cher. Voilà, c'est un peu plus raisonnable. Mais en fait, je pense qu'ils font ça pour éviter de faire sortir pour éviter de faire sortir de la marchandise du pays pour faire marcher vraiment le commerce suisse. Voilà, c'est aussi un peu pour nous décourager malheureusement. Ici, la vie est très très chère. C'est hyper cher la Suisse. Mais enfin, moi j'y suis née. On était un peu habitué avec ça. Quoi qu'on s'habitue jamais. Et puis c'est vrai qu'on a eu des périodes de galère quand même avec mon mari, surtout au début quand les enfants étaient petits, puisque moi je ne travaillais pas, je m'occupais de mes enfants, parce que ça vaut pas la peine d'aller travailler et puis payer la crèche. Hein, Après j'ai toujours fait un peu quelques heures de ménage à gauche, à droite, j'ai toujours un peu travaillé comme ça. J'ai toujours travaillé un petit peu à droite et à gauche pour arriver à subvenir. Mais maintenant les enfants sont loin de la maison, ils ont leur vie, ils s'assument et puis voilà, on est deux et ça va beaucoup mieux. Mais oui, c'est comme ça. Mais c'est sans regret, si c'était à refaire, je le referais. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage. Donc, c'est sur les quatre domaines. Donc, travail, finance, amour, énergie. Dire ça comme ça, énergie, santé. Et puis je vais faire chaque fois trois possibilités. Donc vous allez choisir au niveau travail une rangée, au niveau amour, au niveau énergie et au niveau finance. Je vous fais ça tout de suite. Voilà, donc pour les cartes maîtresses, j'utilise le jeu le Fairy. J'aime bien ce jeu parce que les cartes sont grandes. Voilà, donc ici nous avons le cœur, amour, l'ours, les finances, le renard, le travail et l'arbre, les énergies.
Donc, mais je pense que je vais faire deux rangées. Je pense pas que j'arriverai à en mettre trois. Alors, je vais faire. Je vais essayer. Hein. Je vais essayer. Un, trois, ça va faire trois. Voilà, on va voir, peut-être mettre deux. Je vais faire comme ça. Alors bien sûr, j'utilise l'extend pour les interprétations. Non, là, c'est une. C'est chaque fois une. Hein. Non, je pense que je vais en mettre que deux. Donc, vous avez le choix entre deux réponses. Dirigez-vous toujours vers la rangée qui vous appelle le plus, que vous ressentez. Voilà, là, j'ai fait différemment. Et j'en mets trois pour les énergies. Donc, ici, vous choisissez ou l'un ou l'autre. Et chaque fois, ou l'un ou l'autre. Et vous ne restez toujours sur la même rangée. Puis là, vous choisissez une des trois. Alors, on va commencer par les amours. Donc, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Moi, je commence avec les personnes qui ont choisi cette rangée pour l'amour. Alors ici, nous avons le renard, l'enfant et la clé. Donc, si vous êtes en couple, on essaye un petit peu de vous berner. Donc, prenez les choses en main. On essaye de profiter un peu de votre naïveté. Hein? Donc, soyez vigilant, la clé, ça veut dire qu'il va falloir être vigilant puis prendre certaines décisions par rapport peut-être au comportement de votre compagne ou compagnon. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune. Mais avant de vous engager, attendez quand même de bien connaître la personne et de voir vraiment qui est cette personne, car le renard annonce toujours un peu de manipulation, de fourberie et de... Voilà, comment dire, de profit aussi, de profit. Hein. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième rangée. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième rangée, alors ici, si vous êtes célibataire, voilà, ça commence un peu à vous peser cette solitude. Donc ici, avec le cavalier, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient vers vous après une période assez... longue de solitude, il pourrait y avoir quelqu'un de nouveau. Et si vous êtes en couple, ici, il y a une grosse déception dans la relation. Et le cavalier, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous porter une aide. Après, quand on a le pentagramme dans des questions sentimentales, il peut y avoir eu un peu de magie rouge ou quelqu'un qui a tout fait pour que vous soyez plus avec cette personne. Voilà, ça c'est mon interprétation. Maintenant, on va regarder les finances pour les personnes qui ont choisi la première rangée. Les finances, attendez-vous à un changement. Vous allez retrouver votre équilibre financier et des finances saines. Donc là, il y a un changement positif, surtout si vous êtes en difficulté. La deuxième rangée, ici, après une période de dépenses, un peu de pertes, on retrouve les finances, ça veut dire qu'il va y avoir plus de rentrées d'argent, quelque chose de très positif qui va arriver pour vous dans vos finances. Donc si aujourd'hui vous êtes un petit peu dans une période difficile, eh ben, il faut s'attendre à des jours meilleurs. Ensuite, nous allons passer au renard, donc le travail. Les personnes qui ont choisi cette rangée-là. Alors, le travail, faites attention de ne pas faire de bêtises. Il pourrait y avoir une erreur. Alors, après, il se peut aussi que sur votre lieu de travail, vous ayez des sentiments pour un de vos collègues ou de... Voilà, mais ce n'est pas une bonne idée avec la cruche. Hein. Ça veut dire que c'est bien, bien de réfléchir. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez trouver quelque chose. C'est peut-être pas l'emploi de vos rêves, mais vous allez quand même avoir une chance d'avoir
des revenus suite à un emploi qui n'est peut-être pas vraiment fait pour vous avec la cruche, hein, mais au moins vous aurez un travail. Pour les personnes qui ont choisi cette rangée, donc ici tout va bien, il peut y avoir une augmentation de salaire, une promotion, et vous avez votre travail est protégé. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, une offre d'emploi s'offre à vous, et donc protection ou prudence aussi le bouclier. Mais en tout cas, dans tous les cas, les personnes qui ont choisi cette deuxième rangée, c'est très très favorable. Maintenant pour la santé, les énergies, on va dire ça comme ça. Alors pour les personnes qui ont choisi la première, ici tout va bien. Je ne sais pas si vous attendez une nouvelle suite à des examens médicaux et tout, mais le courrier, ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles concernant votre santé. Ou alors est-ce que vous allez faire un petit check? La deuxième, ici le monsieur. Alors ça peut être un peu votre médecin. Ou peut-être un homme de votre entourage qui aurait des petits soucis de santé. Et puis, si vous êtes un homme qui avait choisi cette carte, vous auriez peut-être des petits problèmes d'ordre partie génitale masculine. Je vais y arriver. Et la troisième rangée pour les personnes qui ont choisi. La troisième carte peut être une sensibilité au niveau de tout ce qui est intestin ou digestif, mais c'est jamais rien de méchant et de sérieux. Bon, le monsieur là, moi je vais quand même rajouter une carte, ça peut être un médecin. On a nouveau des problèmes enfantines, maladie enfantine, ou peut-être un peu d'allergie respiratoire avec les nuages. Voilà, mais j'aime bien vous faire ces tirages parce que ça vous apprend aussi un peu les significations des cartes et comment les interpréter. Donc j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Et puis moi j'espère à très vite et très belle journée. Merci.